Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va faire un autre test de jeu rétro. Et oui, parce que j'adore ça, les jeux rétro. Alors on va se tester. Alors le jeu se nomme. Attendez que je cherche. Ah oui, Shaker Reed Flag, sorti aux alentours de l'année 91-94 sur Atari Jaguar. Un bon jeu de Formule 1, assez bien, franchement assez bien. Je l'ai testé pour m'entraîner, franchement il est classe. Il est vraiment très classe. Et je serai accompagné de. Sandra Games, like always. Voilà. Chimique 2.0. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un jeu, mais quasiment bon, d'accord. Oui, je sais ce que vous allez me dire, ce jeu est quasiment en 3D. Oui, c'est un jeu en 3D, mais quasiment de la 3D vachement moche. En même temps, la Atari Jaguar, excusez-moi. Alors, le jeu est assez bien, surtout parce que on peut choisir la couleur de sa bagnole. Attendez, alors là, il y a vert. Moche, ouais. Ouais. Comme tu dis, c'est moche. Ouais. En vert, c'est pas joli, hein. C'est pourri les graphismes. Ouais, je sais, je suis désolé. Hein. Bon, attendez que je cherche, que je choisisse. Bah, tiens, on va prendre la couleur vert et blanc. Voilà. Ouais. Voilà. Mmh. Allez, c'est parti. Bon, étant donné que je ne sais pas exactement quel genre de modèle c'est, bon, là, qu'est-ce que vous entendez que le nom de la bagnole c'est. Tiens, Skoda. Voilà, Skoda Fabia. Mmh. Bon, dédicace au constructeur de Skoda, qui est une marque de bagnole polonaise. Et c'est parti! Yeah! De couleur vert. Ouais, c'est voilà. C'est faux. La couleur de Skoda, c'est vert. Hein, et en l'occurrence, ouais, voilà. Vert et blanc. Voilà, vert et blanc. Ça bon. Fait tellement mal aux yeux, mec. Ouais, je sais, je suis désolé. Hein. T'as lu de souffrir. Ouais, attention. Alors, le jeu, franchement, est assez bien. Ça me rappelle vaguement Virtual Racing sur Sega CD. D'ailleurs, c'est un petit peu le même principe, quoi. Sauf que c'est pas édité par Sega. Alors, donc, franchement, comme je viens de vous le dire, la 3D est pas très formidable. Ça va. Oh la merde, c'est parce que. Alors, oui, alors, un petit avantage dans ce jeu, quand vous prenez un coup, quand vous prenez un dégât, la bagnole, elle se redresse. C'est comme dans GTA, quoi. Ah ouais. Ouais. Attention, là je suis premier sur 6, oui parce qu'il y a 6 concurrents. Je sais pas où t'as appris ça Vince, parce que dans GTA, quand une voiture prend un coup, elle explose en général. Ah je sais pas, parce que bah, apparemment ouais, les bagnoles dans GTA, elles ont tendance à se retourner. Je sais pas, quand elles prennent un tonneau, elles se retournent. Elles font des tonneaux. Ouais, des tonneaux et après elles se retournent. Ouais. Bon, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo critique sur les jeux GTA, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Hein. Ah, il y a pas de GTA 5, allez. Voilà, voilà, on va voir, vous inquiétez pas. Oula, attention, parce que là, je me suis encore mangé un tonneau. Eh bien, dans ce jeu, les bagnoles dans ce jeu sont indestructibles, je sais pas pourquoi. Hein. Oh, certainement parce que c'est magique. Oh, sûrement, ouais. C'est le jeu qui a eu pitié de nous parce que, ouais, vous galérez, donc il a décidé de ne pas vous faire galérer. Allez, on continue, je suis toujours premier. Ouais, vas-y, continue, allez, Vince, allez, tu vas y arriver. Oh, mais j'ai pour la France. Voilà, oh, t'inquiète. Pour ta patrie. Ouais. Allez, petit pour la France. Allez. Oui, merci Jean-Michel Brutage. Vince qui imite une voiture. Là. Ah, bonjour monsieur. Oui, il y a la. Bonjour madame. Ouais. Voyez, oui, j'ai dépassé deux mecs. Attention, voyez. Alors, une chose qu'on doit savoir dans ce jeu, il faut quasiment, mais pas freiner trop tôt ni freiner trop tard. Ah bah ça, oui. Bah parce que après. Un peu comme dans Mario Kart, c'est pareil, il faut ni freiner trop tôt ni freiner trop tard. Voilà, exactement. Bon, moi, j'ai jamais utilisé le frein sur Mario Kart. Ouais, bah. Mais je crois que. Je sais pas s'il existe. Les freins, à mon avis, oui, je sais plus. Les freins à quoi, de quoi hein? Les freins dans Mario Kart. Bah, bien sûr, ça se il y a toujours eu les freins. Ah, bah, c'est bon, bah. Oui, il y a un frein, je me souviens. Ouais. Et quand je pense que j'ai remporté les 3 trophées dans Super Mario Kart, j'ai remporté la Mushroom, la Floral, la Flower et la Star. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'en ai jamais eu aucune dans ce jeu, malgré le fait que je l'ai. Ouais. En fait, parce que j'aime pas du tout ce jeu, du coup je finis jamais. Ouais. Mais bah, moi j'ai réussi à le finir, j'ai remporté les 3 trophées. Hein. GG. Allez, merci. Oui. No problemo. Voilà. Ouais. Michael Schumacher, il peut aller se rhabiller. Hein. Ouais. Allez, on continue. Oui. Bon, pour l'instant là, j'ai dépassé les 5 tours. Ouais, il a dépassé les 5 tours. Voilà. Si je me souviens bien, il y en a 10. Et j'en ai passé les 5 autres.
Voilà, on continue. On fait attention au virage. Attention, attention, oui, attention, attention. Oh là! Oh le bourrinage, je vous jure! Attention, oui, attention au mur. Ah là, super! Le sixième tour! Voilà! GG, mec! Et merci, merci! Merci, 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 merci! Ouh! De rien! Non mais t'inquiète, t'inquiète, comme je t'ai dit, les bagnoles dans ce jeu sont indestructibles. Voilà, attention au virage. Bon, mis à part ça, le jeu, franchement, ça va, il est bien, il est assez maniable. Ouais. Ouais, j'imagine. Il a bien été classé. Ouais. Bon, c'est... Bon, c'est... Ouais, bon, on galère un petit peu, mais oh, ça va. Celui-ci, il est à la norme. Allez, on continue. Attention! Ah, oh, mais... Putain, mais si... Putain, mais fais attention aussi Ouais, voilà, fais attention, enfin, voyons, c'est quoi ça? Oui, t'entends pas, Vince, le. Ouais, bah, c'est bien dommage, hein. Allez, on continue. Attention, putain, hé, le nombre de murs que je me mange, sérieux. Oh là là. Voilà. Heureusement que t'es pas vitrier, hein. Oh, il manquerait plus que ça. Enfin, maçon, plutôt. Oui, oh, 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 oh putain. Comment je l'ai poncé dessus, l'autre? Oh la vache. Bon, bon, pas de panique, pas de panique. Je suis toujours premier. C'est le principal. Allez, on continue. Attention à ne pas percuter le copain. Voilà. Attention, attention, attention. Voilà, voilà. Doucement, 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 doucement. Roulons tout doucement. On fait pas de conneries. On est concentré. Ouais, concentre-toi. Ah oui, t'inquiète. Voilà. Huitième tour, plus que deux. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Ouais, hey, si je réussis, mais là franchement, mais là je suis vraiment le Michael Schumacher de YouTube. Ah, ouais. Voilà, on continue. Voilà. Oui. Ouais, ça va, ça va, ça va. Franchement, je confirme, dans ce jeu, on galère pas trop. Hein. Ça va, ça passe. Voilà. Allez, oui. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, oui. Voilà. Attention, on passe le 9e tour. Voilà, 9e tour. Allez, plus qu'un. Yes. Oui, parce que je vous rappelle, dans ce jeu, il y a 10 tours. Merde, je viens de manger encore un putain de mur. Bah, oh, j'espère qu'elles sont pas trop longues, les courses, parce que là, t'as tout le temps ennuyé. Oh bah... Quoique non, puisqu'il y a tout le monde là qui... Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. Eux, ils sont des traînards. Hein. Allez, on continue. Voilà. Bon, de toute façon, comment dirais-je, j'ai déjà gagné, remporté la course puisque je suis premier. Voilà, attention, attention. Ah là là, mais je sais pas comment je fais pour me manger les murs alors que j'essaie de diminuer la vitesse. Ah bah. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment le jeu du futur, quoi. Hein. Attention. Voilà, 10, allez, un tout petit dernier et après terminé. Un tout dernier et après stylé. Voilà. Je mélange mes mots. Voilà. Non mais t'inquiète, t'inquiète, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. De toute façon, j'ai déjà gagné. Yeah. Ah, mais, oula, j'ai cru que j'allais, le foncer dessus, celui-là. Non, franchement, je confirme, ce jeu est assez maniable. Il est très maniable. Oui, bah tant mieux. Ouais, attention, voilà, on dit... Attention aux autres. Voilà, on est concentré. Excusez-moi si je dirais, j'essaie de me concentrer. Pas de soucis, pas de soucis. Voilà, bon, de toute façon, ça va bientôt se terminer. Il reste plus qu'un tour. Un dernier petit tour. Bon, je me suis mangé un mur, mais c'est pas grave, c'est terminé. Voilà, c'est parti. Attention, mais pousse-toi. Oh, mais oh, connard. Mais ouais, allez, voilà. Terminé. Et voilà, Race Winner, voilà, et le vainqueur est Vince le survivant sur Skoda, voilà. Ouais, GG. Voilà. Bon, j'adore cet écran de fin, j'adore cet écran de fin. Voilà. Ouais, c'est un peu badass. Ouais, c'est vrai, franchement, j'ai géré, hein. Voilà, donc je suis premier.
Alors, donc je vais mettre mon nom. Voilà, voilà. Oui, un petit V. Ah, je voulais compléter mon nom. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là je suis là, je suis là. Ça veut pas dire que Vin, ça veut dire victoire. Voilà, oui, V. Voilà, je suis V. Et voilà. Eh, franchement, ça va. J'ai bien géré, hein. Voilà, donc les gens, c'était donc Shakery de Flag sur Atari Jaguar. Un jeu de voiture de course, bon, assez bien. Bon, hein, bon, un petit peu moche, c'est vrai, mais, au niveau graphique, mais au moins ça va, ça va. Il est à la norme, franchement, il est à la norme. Franchement, je vous le conseille. Voilà, donc les gens, je propose qu'on s'arrête là et qu'on... et qu'on passe à autre chose, voilà. Voilà donc les gens, c'était donc Shakery de Flag sur Atari Jaguar, sorti en 1991. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Bye bye! Bye!